Mardi 14 novembre 2017, bonjour, bonsoir tout le monde qui branche Télévision Nationale d'Haïti. Bienvenue dans la deuxième sortie fenêtre culturelle pour ce maintenant. Nos parmes, c'est Dorcas Simon. Assoyez dans la fenêtre culturelle, la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie rend public mardi 14 novembre 2017 là, lauréat prix histoire pour l'année 2017 là. C'est professeur Alix Jean-René pour texte lui écrit Haïti après l'esclavage, l'expérience d'une vie nouvelle et de liberté 1804-1846. Réseau national des étudiants d'Haïti a lancé 23e édition Jeunes entrepreneurs pour samedi 18 novembre Cap Vinila, dans l'hôtel Ritz-Kinam en Pétionville, en baptême Osez prendre votre responsabilité financière. Élèves terminales en collège Excelsior a organisé un concert évangélique dimanche 26 novembre à Cap Vinila pour ramasser l'argent pour aider les femmes qui ferment en prison civile Cabaret. Et puis, Université innovatrice d'Haïti accueille jeudi, mardi 14 novembre, un groupe étudiant côté responsabilité organisé, une exposition, fait conférence en débat sous familiarisation étudiant et puis rendre les plus visible dans la société. C'est tout ça, à Campil, on a débat pour assurer notre fenêtre culturelle, mais juste avant, nous allons observer une pause. Restez là, pas de place. 47 ans, on a toujours fait l'axe aussi. Pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps, ça, m'a représenté Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec Frémio. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas, c'est parce que nous ne parlons pas. Et puis tout, chaque note moins composée, c'est une déclaration d'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste pour nous continuer à battre tout ça moins gagné en dedans pour nous. Bonsoir tout le monde, soit à peine branché ou branché Télévision Nationale et on va suivre deuxième sortie fenêtre culturelle pour semaine. J'ai noté annoncé la Société haïtienne d'histoire, de géologie et de géologie rend public mardi 14 novembre 2017 là lauréat prix histoire pour année 2017 là, c'est professeur Alix Jean-René pour texte lui écrit Haïti après l'esclavage, l'expérience d'une vie nouvelle et de liberté 1804-1846. Bénéficiaire à recevoir comme prix 1 000 $ américains et puis il a fait impression 1 000 exemplaires ouvrage ça. Concours prix d'histoire fait chaque de l'année pour chercher récompenser moun qui écrit plus bon texte. Participants soumettent un manuscrit en créole ou bien en langue française qui présentait une partie dans l'histoire du pays d'Haïti. Historien Pierre Buteau, Namiko Michel-Ange Dalcé et Evans Joseph. Et une tradition qui remonte à longtemps, Société haïtienne d'histoire toujours bail prix. Depuis les années 80, et il réactivé et tradition. Et nous avons des grandes figures de l'historiographie haïtienne qui prend prix, dont Michel Hector, qui est président de Société haïtienne d'histoire, et puis qu'on est un président d'honneur, Suzy Castor, et qui prend le tout, qui est membre jury, qui bail prix aujourd'hui, et qui est membre de Société haïtienne d'histoire tout, et qui a dirigé Chris Fed. Donc, prix ça, il vient réactiver et en 2015, le nous proclamé prix et d'histoire et c'est Delitte Joseph qui te prend parce que tu as un bon travail sur les relations entre les intellectuels et l'État haïtien. Faut nous remercier le Natal, ce qui est M. Robert Malval
qui prend responsable et fondation Roger Gaillard pour dire en réactiver prix ça et alors il a accepté pas nous support pour qu'il prenne en charge impression livre et ouvrage retenu manuscrit retenu et puis fondation Unibank que vous êtes tout à l'heure et puis la focale Anessa c'est professeur Alix Jean René. Son professeur très connu qui enseigne l'école normale supérieure, qui enseignait et enseigné à l'université Kiskeya. C'est un professionnel de l'histoire qui enseigne l'histoire et puis qui baille un texte Yoele Haïti après l'esclavage. Et m'appeler le bourreau Haïti après l'esclavage, l'espérance d'une vie nouvelle de liberté et d'égalité, 1804-1846. Titre livre là, t'apparaît un ancrage. Dans cette période 1804-1846, mais Jean l'a fait approche là tout et à la lumière d'un arsenal théorique et académique intéressant et qui mettait en question arsenal ça, l'a interpellé très fortement réalité n'a vive aujourd'hui là. Pria c'est yo poil prend en charge publication livre là, impression livre là, travail d'édition livre là et puis yo poil bail lauréat $1,000 américains et puis ensuite 1000 exemplaires au Paul Balia, c'est pour Lilié. Et puis, on a fait lancement, le livre La Fine Travail Net, impression en fine fête net. Merci, Michel-Ange Evans. Un réseau national des étudiants d'Haïti a lancé 23e édition Jeunes Entrepreneurs pour samedi 18 novembre à Cap-Vinila, dans l'hôtel Ritz-Kinam à Pétionville, en baptême. Osez prendre votre responsabilité financière. Initiative ça d'après responsable c'est permettre jeunes entrepreneurs yo joindre plus formation sous façon pour yo monter projet yo. Sur activité ça président réseau national des étudiants d'Haïti Peterson Gédéus Namiko Michel-Ange Dassé avec Christel Toussaint. Entendez. Deuxième symposium de jeunes entrepreneurs jeune soudé là la fête hôtel Kinam 18 novembre et thème là c'est oser prendre votre responsabilité financière. Donc son symposium qui pourrait être basé sur 5 thématiques et que chaque jeune, chaque entrepreneur pourrait avoir besoin dans la ville ou bien pour lui ici, soit vie professionnelle ou bien vie entrepreneuriale. Normalement, la basée sur leadership et gestion des ressources financières, après tout, planification des affaires et gestion du temps, autrement, on a bien innovation et développement des entreprises, et on a bien stratégie de recherche des financements et techniques de négociation, y compris Sandy Carrelé, techniques de publicité efficace et marketing digital. Dans ce symposium, on a bien des intervenants comme Enerc Jean-Charles, docteur Edi Laboussière, on a bien ambassadeur Edwidge Lalanne, on a bien Edir Emile, on a bien Jacques Maurice, et ensuite on a bien André Lemessier-Georges, y compris Amos Jérosier qui a intervenu dans la conférence là et sans oublier Madame Suplice Bozil qui a gagné pour intervenir dans le grand symposium de jeunes entrepreneurs qui a fait dans l'hôtel Kinam 18 novembre de 8h à 4h. Nous visons tous jeunes, tous entrepreneurs, tous aspirants entrepreneurs ou bien tout le monde qui est en game business. Normalement, nous demandons frais de participation pour nous capables de couvrir frais des documents, nourriture pendant formation et certificat après conférence. Et ça fait nous dire que chaque jeune va investir seulement, disons, $440 pour qu'il y participe et là-dedans, toutes frais inclus. Et ensuite, nous en fait partie des chambres de jeunes entrepreneurs qui peuvent encadrer et non seulement structurer, mais former comme entrepreneurs. Autrement tout, nous pourrons voir comment favoriser d'autres conférences qui nous toujours participé. Que ce soit du côté, disons, des États-Unis, mais aussi Porto Rico, Cuba, que jeunes nous pourraient faciliter, côté que nous pourraient financer jusqu'à 15 à 20% pour que nous participent dans la conférence à eux, qui est basée surtout sur leadership, sur management, sur entrepreneuriat. Vous avez sur page nous, sur le réseau national des étudiants, tapez sur Facebook, ou qui passé tout dans le bureau, nous complexe, bon Jean Delmar 44, bureau 11. Ou bien on peut contacter nous dans le numéro 47 38 82 44 40 73 04 51 ou bien 31 33 50 20. Cœur rimé avec Ride Kajak, tu es dans Cool Corner pendant le week-end passé à Bouté Marie Chant avec Poésie.
une soirée ici pour Atisio, côté où tu joins un bon feedback dans mes publics là. Soirée ça a été occasion pour quelques artisans te exposer produits autant que crémas qui fait à café sans compter chamcham et chaque monde te joint de façon pareille pour te exprimer dans soirée ça. On suit un reportage. Une soirée réussie pour Kerini Akri de Kajak, côté Atisio te montré talent et potentialité. Kerini Akri de Kajak, te kembe public la nan yon ambiance côté poésie te marié ak chant en pile défilé de mode. Scène en Haïti son luxe, donc nous-mêmes nous faisons pour nous offrir tout talent. Yo. On scène côté qui exprimer, peu importe si c'est slammer, danseur, chanteur, comédien ou cabine là. Donc Patrick lui même qui sont un slammer, qui t'a mis pour un bagage qui est exceptionnel, donc à ce nous faire. Mais ce n'est pas premier. Arnaud lancé depuis 28 avril, donc nous-mêmes nous là depuis 28 avril, nous faire. Mais lui-même, il devait faire un bagage qui est extra, donc nous-mêmes, comme nous vraiment encourager les jeunes talents, nous encourager les bouquins à faire ça l'affaire. Soirée ça, c'est l'occasion pour artisans exposer produits, tant que crémas qui fait à café, dans le programme ça, en plus l'exposition livre qui est écrit dans la langue créole. Pour tu as dit ça, Nalio, tu fait bel effet pendant la soirée. Bel tout. C'est sous thème ça soirée a été déroulée côté Karine était offrir une belle prestation. Il y a trois richesses dans mon dos, c'est un moment intime qu'on a précédé il y a une magie. Je connais ce n'est pas ici, pas les Français, nous prenons tout le monde, savez. Alors que c'est créole qui va être là, nous savons. Maman, vous avez un tiré à la loupe, vous avez un tel cas, vous avez un pisser, vous avez un bon, vous avez un bon, donc vous valez. Encore pas tout ce qui est vrai ici, vous bouchez le bon, savez. Le programme est fini à Krideka dans une prestation musicale qui te mette invité dans une ambiance. Je
fait un bon râler dans la première partie fenêtre qu'il tirait là, arrivé le moment pour nous observer, on pose, rester là, pas déplacer, n'a tourner. Hey, pas ta voile. Oh, Joël. Mes amis. Oh. Ti Joël, où est-ce que vous reconnaissez? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse à tout le monde traverser. Mais là, lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descend, monde campée, bye machine passée. Et pour apprendre à garder lumière, on va traverser la rue. Où est-ce que vous aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal, la loi est dure, mais c'est la... Cassandra, Julia, Jessica, ces trois jeunes étudiants qui gagnent pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames, ça y est, gagnent habitude, marcher dans la rue avec téléphone, castant oreilles, chat avec des amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia, Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti ak Zoom Entertainment. Merci parce que vous toujours branché. J'ai noté annoncé l'Excel Worship, c'est sous nom ça élève terminal dans collège Excelsior yo a organisé un concert évangélique dimanche 26 novembre k'ap vini là pour ramasser l'argent pour yon ka aide femmes qui ferment en prison civile cabaret. Initiative ça prend une façon pour porter aide bay femmes prisonniers qui vraiment en nécessité. Et Michel-Ange Dalcé ensemble avec Fresnel Toussaint et res, paraît font parler avec moun qui a organisé gros événement ça et côté tout, il a demandé pour tout le monde vienne porter support parce que femmes yo besoin aide donc. Entendez. Dans la société haïtienne même, femmes yo comme yo toujours méprisé, OK? Donc déjà que nous voyons que déjà femmes dans en prison, OK? Et gien là-dedans yo qui gien ti moun que yo quitté, OK? Donc déjà femmes dans en prison, yo pas en pile là yo pas joine aide normalement, aide yo ta supposé joine. Et une femme normalement, li gien de bagaille que li besoin en plus yon garçon. Donc nous pensons que ça yo faut que nous mettez accent sur ça yo, donc yo n'a besoin certainement de nous pensons que là vraiment yo mandé aide. Nous ka prend un petit pour nous faire des kits sanitaires que nous ka prend pour nous bailler et puis l'autre petit nous remettre les bail responsable prison. Des kits sanitaires pour nous bailler chaque prisonnier yo et puis après reste comme nous ka bailler responsable prison même pour prendre en charge l'autre besoin comme si qui assez plus large. Excel Worship c'est un concert évangélique, OK? Avec des artistes évangéliques renommés. Par exemple, Tammy et Nikki, Frère Gab, Alexandra Louis et Lovenson Clairvaux et des groupes également. On aura Rafa. Déjà, concernant Excel Worship, comprenez que chaque cut ou acheté à 300 gouttes, c'est un prisonnier que vous aidez. Là où aider un prisonnier, c'est une vie que vous aidez, c'est un monde que vous aidez avancer, c'est un monde que vous aidez vivre. Donc, nous invitons tout le monde à prendre part ensemble avec nous dans l'activité ça, parce que son activité humaine liée, son activité sociale liée, et li regroupe le monde évangélique là également. Donc, le jour même qu'on vient dans le conseil, on vient adorer certes, mais on va aider chaque prisonnier avec 300 gouttes qu'on va pour acheter le code. Code est disponible au Collège Excelsior et à Shalom FM. Et également, il y a des numéros que nous avons quittés pour que si vous avez besoin de code, que vous avez. Numéro c'est 33 26 29 0. Merci Michel-Ange. Université innovatrice d'Haïti accueille jeudi, mardi 14 novembre 2007, là, un groupe étudiant côté responsable a organisé une exposition, fait conférence, un débat pour familiariser étudiants. D'après responsable, c'est une façon pour permettre étudiants de rapprocher plus à CLIV pour puiser connaissances. Activité ça qui sous 4e édition li a fait promotion pour littératie principalement écrivain haïtien ak savoir-faire yo. Joanne Jacquet et Evan Joseph, yon extrait. Nous croyons que par le livre, on peut justement voyager à travers le temps et l'espace. Par le livre, on peut justement arriver à s'épanouir, à s'émanciper. Donc c'est ce qui fait que nous croyons que nous pas capables seulement encourager des activités culturelles ou socioculturelles seulement, mais il faut qu'il y ait des activités intellectuelles qui permettent que
jeunes yo reconnaître que par le livre yo capable arriver devenir en fait des personnes, je dirais, importantes, des responsables, je dirais, compétents et qualifiés pour le bien-être de la société, pour le bien-être du pays. Nous t'ai gagné comme invité, nous t'ai gagné c'est toi édition, nous gagné édition Choukoun, nous gagné édition Inferno, nous gagné édition Les Vagues. Nous gagné des auteurs qui étaient disons invités comme Melek Jean-Baptiste, comme moi-même particulièrement Saint-Honoré Fanfan, gagné Douglas Zamor, gagné Anne Evans, gagné Ilius Papillon. Donc il y a eu disons un ensemble d'auteurs qui ont été invités à prendre part à cette activité. En réalité, ceux et celles qui sont à la tête de l'université, généralement, c'est des écrivains, c'est des chercheurs, c'est des penseurs. Parce que moi-même, particulièrement, je suis à ma sixième publication, c'est-à-dire j'ai déjà publié 6 livres. Et moi, j'ai estimé que et ce que moi-même je trouve à travers le livre, moi, j'ai voulu que moi transmettre cette même, je dirais, et passion, ce même engouement que je jeune pour le livre. Donc, moi, en fait, voulais transmettre ça aux jeunes, aux nouvelles générations. On ne peut pas réduire, disons, la formation universitaire à une simple question de transmission de cours, c'est-à-dire une transmission de savoir que l'étudiant est venu, il trouve un professeur entre les quatre murs. Donc, il y a une transmission de savoir qu'a fait soit dans un cadre vertical. Donc, nous estimons que par le livre, donc, l'étudiant est capable de participer dans la formation tête. Merci Johan Jacquet. Et pour finir, groupe Boz a levé Paris samedi passé dans la Bakiade, dans la prestation qui était fait. Devant un public qui était très animé, les musiciens Boz ont montré à la route pour animer la soirée. Côté public, là, était vraiment satisfait. Manager Bakiade, là, Barbara Province, qui toujours recevoir plusieurs jazz dans l'espace, satisfait de performance groupe Boz de Baye et lui créer en pile animation. En suivant un reportage, Augustin Rodferline avec Junior Avril. Dans la Bakiade, samedi 11 novembre passé, c'était une soirée musicale très animée. À groupe Boz qui était équipé plus là en haleine pendant un bon bout de temps dans la soirée. Manager Bakiadlan, Barbara Province, qui prend l'initiative ça, dit qu'il est très satisfait. Je suis tellement satisfait, je suis tellement content parce que après le départ avec les musiciens, je pensais que les buzz font baisser. Mais là, je regarde ces messieurs qui ont joué mon encouragement. Ça fait me sentir que ont une puissance, ils sont nés pour faire musique. Okay? C'est ça qui fait pas émotion. Même m'annoncer deux soirées suite en suite avec Boz Bakiad et ceci, je suis d'elle pour me supporter. Junior Bonheur, qui s'est chanté au groupe Jazz Boz, dit qu'il est content pour la performance avec les nouveaux musiciens qui rejoignent nous. Bon oui, et c'est bande de jazz qui a gazon jazz. Vous bon? Et les musiciens qui jouent avec nous, ils habitent à jouer avec Boz. Et tant que le guitariste Aposo, pour c'était toujours là, et nous avons moins à jouer à Aposo. Et nous avons keyboard distant. Nous-mêmes, nous avons fait deux répétitions avec nous, c'est vraiment adapté avec jazz. Hein. Et nous sommes en forme, et nous mauvais, et la guitare a tout changé. La bande de jazz a toujours été par rien changé. Je suis satisfait, je dis tout le monde, depuis nous avons Boz, Bakiade, c'est débarqué parce que son autre bagage nous a toujours fait en flâneur. Boz, tu mettais toute l'énergie d'idée pour te permettre aux fanatiques de faire connaissance avec nouveaux musiciens jazz là. Et faire sentir, pas de rien qui perdit dans la cadence jazz là. Fanatiques ont dit, ils n'ont pas regretté de ce qu'ils ont fait déplacement. Et c'est là tout nous mettons bout dans la fenêtre qui tire la soya, mais avant d'aller, nous avons rappelé quelques titres que nous avons partagé avec vous. Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie rend en public mardi 14 novembre 2017 là, lauréat prix histoire pour l'année 2017 là. C'est professeur Alix Jean-René pour texte qui écrit Haïti après l'esclavage, l'espérance d'une vie nouvelle et de liberté 1804-1846. Réseau national des étudiants d'Haïti a lancé 23e édition Jeunes entrepreneurs pour samedi 18 novembre Cap Vinila dans l'hôtel Ritz-Kinam, Pétionville, en baptême Osez prendre votre responsabilité financière. Élèves terminales dans le collège Excelsior a organisé un conseil évangélique dimanche 26 novembre Cap Vinila
pour ramasser l'argent pour aider les femmes qui ferment en prison civile cabaret. Et puis, Université innovatrice d'Haïti accueille jeudi mardi 14 novembre 2017 là un groupe étudiant côté responsabilité organisé une exposition, fait conférence, un débat pour familiariser étudiants yo avec tout le monde yo pas gain pour rencontrer. C'est tout ça nous te débat pour asseoir dans fenêtre culturelle. N'a souhaite on passer une bonne soirée sur télévision nationale d'Haïti. Bonsoir.